c'est Abdoulaye Oumousso. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le coordinateur de la cellule de communication du FNDC et du mouvement Projet des manifestations de l'île le 12 et le 13 février prochain. Dites-nous comment ces manifestations se préparent à votre niveau. Comme vous le disiez tantôt, en tant que responsable de la communication du Front National pour la Défense de la Constitution, vous savez que depuis le 13 janvier dernier, le FNDC a lancé l'opération de résistance active et permanente pour défendre la Constitution guinéenne, qui est la loi suprême de notre pays. Et depuis ce premier acte, nous sommes dans cette résistance active et permanente. Et la seule chose qui va changer désormais dans cette défense de la Constitution, c'est l'intensification des actions du Front National pour la Défense de la Constitution. Ça va consister à quoi? Parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, le président de la République est passé à l'acte, c'est-à-dire le coup d'État constitutionnel est déjà consommé par les différents actes posés par le président Alpha Condé. Donc nous comprenons aujourd'hui que nous avons en face un régime illégal et illégitime qu'il faille mettre hors état de nuit. Donc c'est en cela va consister la lutte du FNDC aujourd'hui qui porte aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée et qui est cette aspiration qui est portée aujourd'hui par le monde entier. Vous avez vu les différentes déclarations des institutions, mais également des organisations régionales et sous-régionales. Voilà, ce n'est pas la première fois que vous organisez des manifestations pour défendre la Constitution. Il y a déjà eu beaucoup de cas de mort. Et quelle sera la particularité de cette semaine? Justement, pour ces personnes qui sont assassinés et pour ces personnes qui sont blessées, alitées dans les hôpitaux, mais des personnes également qui ont perdu des biens matériaux. Il faut le dire que pour ces personnes, la lutte du FNDC continue. Et c'est à cause de ces personnes que nous intensifions les actions pour ne pas que ces sacrifices soient vains. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons compris que nous avons un pouvoir assassin qui est en face de nous. Vous parlez de ces morts d'hommes. Je vous rappelle que nous sommes à plus de 37 morts aujourd'hui depuis le premier, la première personne qui a été assassinée à Zéro-Boué en mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes à 37 morts et centaines de personnes dans les prisons d'Alpha Condé. Également des blessés qui sont alités et d'autres handicapés à vie dans notre pays. C'est pour ces personnes que la lutte va continuer. Et pour cela, nous sommes dans l'obligation de défendre la loi suprême de notre pays. Et nous avons le soutien du monde entier aujourd'hui. Nous sommes au crépuscule du pouvoir d'Alpha Condé. La seule chose qui manque, c'est la détermination du peuple de Guinée. Et elle, nous allons l'obtenir parce que dans toutes les révolutions en Afrique, ça a toujours commencé comme ça. Et le peuple, à la dernière minute, a montré sa souveraineté. Et nous tendons vers l'obtention de la souveraineté du peuple de Guinée, qui va se faire avant la date du 1er mars, qui est la date choisie par Alpha Condé et ses sbires pour consommer le coup d'État constitutionnel. Et ça ne marchera pas. Voilà, vous parlez d'intensification de vos actions, mais déjà sur le terrain, il y a beaucoup qui estiment que le combat est perdu d'avance. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour rassurer ces personnes? Contrairement à vous, nous pensons aujourd'hui que le combat est plutôt gagné, parce que nous pensons que c'est le dernier virage du combat. Le combat est plutôt gagné, d'autant plus que aujourd'hui, ce n'est pas que le FNDC qui porte la voix de la défense de la Constitution. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui porte la voix de la défense de la Constitution en Guinée et dans la sous-région. Au-delà de cela, nous avons fait un grand sacrifice la dernière fois. Vous-même, vous avez relayé dans vos différents médias. Nous avons permis à nos religieux de s'impliquer dans la crise pour avoir une solution pacifique à la crise. Mais comme vous savez, on a des personnes en face qui sont obstinées par une présidence à vie. Ils ont refusé d'écouter ces personnalités morales que nous avons dans notre pays, ces personnalités pour lesquelles nous voulons suffisamment de respect et que nous respectons toujours, bien qu'ils ne soient pas écoutés par le pouvoir. Nous avons accepté de faire une trêve dans l'intérêt des populations, pour la paix et pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Mais très malheureusement, les putschistes sont obstinés par cette présidence à vie. Ils n'ont jamais voulu écouter la voix de ces religieux.
de ces sages de notre pays, ça veut dire qu'ils n'ont de respect pour personne en Guinée. Ils ont bafoué la citoyenneté dans notre pays, ils ont assassiné les citoyens guinéens. Maintenant, ils bafouillent même l'ordre moral de la République. Ça veut dire que et nous, et vous, et tout le peuple de Guinée doit aujourd'hui être le garant de la stabilité de notre pays. Et cette garantie ne viendra que dans notre union à combattre les putschistes consommés parce qu'ils ne sont ni légaux aujourd'hui, ni légitimes. Ils ont consommé un coup d'État, qu'il soit civil ou militaire. Ce qui vient de se passer est un coup d'État, et un coup d'État étant condamné à combattre. Voilà, hormis les marches pacifiques que le FNDC organise, qui pour le moment, on le sait que ça n'arrive pas à dissuader le pouvoir en place, est-ce que le FNDC envisage une autre alternative, hormis les marches pacifiques, qui pour le moment ne fait pas fléchir le pouvoir en place? Depuis le 13 janvier dernier, nous ne sommes plus dans l'ordre de l'article 10 de la Constitution qui nous autorise ces marches. Nous sommes dans l'ordre de l'article 14, alinéa 4 de la Constitution qui parle de résistance, parce que nous estimons aujourd'hui que le peuple est dans l'oppression et a l'obligation d'agir et de réagir. En agissant et en réagissant contre l'imposture du pouvoir, nous utilisons tous les moyens légaux que nous confère la Constitution, mais les traités et les conventions, pour combattre le pouvoir putschiste d'Alpha Condé et les mettre au état de nuit. Et nous pensons que nous sommes proches de la victoire et la victoire est pour bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un autre message particulier à lancer à l'endroit de la population, des autorités? Oui, ce message n'est pas à l'endroit des autorités, d'autant plus que eux ont choisi de faire un coup d'état consommaire. Mon message s'adressera à l'endroit des populations guinéennes, parce que c'est eux qui sont importants aujourd'hui. C'est à eux, c'est leur dignité qui est en jeu, c'est leur responsabilité qui est en jeu, mais c'est leur existence même qui est en jeu aujourd'hui, parce qu'on ne peut vivre que dans une république en paix. Et des personnes ont décidé de mettre à mal la paix et la stabilité de notre pays. Battons-nous pour recouvrir notre souveraineté qui a été aujourd'hui confisquée par un groupuscule d'une centaine de personnes qui sont à l'agonie et qui sont au bord, au crépuscule plutôt, de leur régime. Mais si nous manquons de détermination, nous ne pouvons pas gagner sur eux, d'autant plus qu'ils ont tout fait pour pérenniser les populations. C'est maintenant ou jamais. Et ce combat ne sera gagné que par chacun d'entre nous. Et cela ne sera possible que par notre nombre. Et c'est notre nombre qui fera notre force. Quand le FNDC parle de résistance active et citoyenne désormais, ce n'est plus dans les maisons, ce n'est plus dans les quartiers, mais c'est dans la rue. Et nous demandons aux populations guinéennes, à partir du 13 janvier, de mettre une carte sur les dignités de l'Égypte et nous allons les déloger dans leur dernier retranchement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans un régime d'exception parce que le coup d'État est consommé. Il faut recouvrer cette souveraineté et cette souveraineté ne sera recouvrée que par l'ensemble du peuple de Guinée. Et le FNDC porte aujourd'hui l'aspiration de ce peuple et nous les demandons que le combat doit s'intensifier à partir de ce mercredi. Merci, monsieur.